le lot numéro 48, Chouquette du Pécos, présenté par Patrick Davzac, son éleveur et laisseur. Une fille de vertigineux et de rose chou. Chouquette du Pécos est née le 26 avril. Femelle enclos à 26%. Vertigineux, comme je vous le disais, ça y est en AQPS, en pur sang et en anglo donc. Les premiers produits ont 3 ans. Le père du Pilat, placé de groupé de multiples listes cette année. Rochou, la mère de solo numéro 48, avait gagné en débutant, c'était sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan. Par la suite, elle s'est fait classer deuxième du Grand Prix des Pouliches. De Tarde, évidemment. Et c'est la mère de Kozak, ce fils d'Execio. Toute victoire en obstacle pour Saint-Maritain à Toulouse, entraîné par Jean-Pierre Toutin pour la casette de l'écurie du triangle. Kozak est son seul produit vainqueur pour l'instant. Rochou a été malheureusement vite en 2015, elle a été saillie par Walking the Park cette année. Sous la troisième aire, on retrouve Garde Champêtre et un Chouya. Garde Champêtre, un fils de Garde Royale qui avait gagné groupe 2, qui avait été acheté par JP McManus et qui avait été élevé par Olivier Delègue, le frère de Thierry Delègue.